Sondage. Sondage. L'État a mis en place des dispositifs pour lutter contre la chlordécone, tant au niveau des sols que des personnes. Lui faites-vous confiance? Enfin, bon, confiance c'est beaucoup dire, mais c'est que on ne peut pas savoir qui fait confiance maintenant. Parce que la vie est difficile et ça devient de plus en plus difficile. Alors bon, peut-être que l'État va trouver la solution, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire si oui, si non, parce qu'on ne sait pas. On verra bien. Oui. Alors là, mon avis, c'est que bon, je ne fais pas du tout confiance à l'État, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu des dernières décisions qui ont été rendues. Et donc il faut voir, il faut attendre. Et puis bon, moi, à titre individuel, je prends les dispositions qu'il faut. Donc je m'organise pour aller auprès du producteur, du petit producteur. Et je favorise les circuits courts, on va dire. D'accord? C'est tout ce que je voulais. Oui. Alors, quel est ton avis? Bah écoutez, il faut faire confiance, hein. Je dirais que oui, il faut faire confiance, puisque je ne pense pas qu'on puisse mettre quelque chose en place qui ne sert à rien du tout. Voilà, donc moi c'est mon avis. Oui, je fais confiance, bien sûr. Bon, maintenant, après, c'est effectivement, ça dépend de chaque individu, hein. Mais moi, je dis qu'il faut faire confiance, c'est tout. Non, pas du tout, je ne fais pas confiance à l'État. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il devait faire et qu'il ne le fait pas. L'État a mis en place des dispositifs pour lutter contre la chlordécone, tant au niveau des sols que des personnes. Lui faites-vous confiance? Pas trop. Pourquoi? Parce que souvent l'État nous dit plein de trucs et puis voilà quoi. Et puis rien ne correspond à ce qu'ils disent quoi. Non. Pourquoi? Non, pas à 100%. Parce que depuis le temps que ça dure, l'État n'a jamais condamné les gens qui ont semé ça, qui ont emprisonné le peuple. Parce que le peuple, hein, moi je dis, autant les grands que les petits, ils sont déjà empoisonnés. Donc là, je ne peux pas faire confiance à l'État. Puisque, regardez, depuis le temps que le procès tourne, il n'arrive pas à... Il veut donner tort plus aux malades qu'aux gens qui ont accepté de semer le chlordécone. Donc, pour moi, c'est une pourriture. Okay. Moi, c'est une grosse pourriture. Donc, on verra par la suite ce que ça va donner, mais je ne fais pas confiance à l'État pour ce problème. C'est un peu difficile à donner de mon avis, hein, parce que moi, j'ai le problème de la prostate. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me l'a donné. Hein? Est-ce que c'est le chlordécone ou bon autre chose? Bon, c'est familial. Bon, pour l'État fait ce qu'il peut peut-être, mais pour le chlordécone, le problème de tribunal, normalement il y a un responsable. Déjà c'est l'ancien député qui a été pleuré pour les ministres pour leur dire de leur donner l'accord pour distribuer. C'est tout. Bon, là, je ne vois pas autre chose à voir. Hein. Je vous remercie. Hein, Sondage.